Yerorkum Vanakkam, chers fidèles téléspectateurs, comme chaque dimanche matin, c'est avec immense plaisir que l'équipe de Vanakkam Réunion TV vous retrouve pour votre nouvelle émission Padel. Cette année, ce vendredi 20 août, les hindous ont célébré Varalakshmi, une fête très importante dédiée à la déesse Lakshmi. Je ne vous en dis pas plus, commençons donc notre émission par la pensée spirituelle du jour. La nature du soi étant la connaissance, elle ne dépend par la connaissance d'elle-même d'aucune autre connaissance, de la même façon qu'une lumière n'a pas besoin d'une autre lumière pour se révéler. Shankaracharya. Après cette belle pensée spirituelle, écoutons à présent un bhajanam. Danam tarum kalvi tarum purunalum talarvariyamanam tarum danam tarum kalvi tarum ஒருநாளும் தளர்வறியாமனம் தரும் தெய்வ வடிவம் தரும் நெஞ்சில் வஞ்சமில்லா இனம் தரும் தெய்வ வடிவம் தரும் நெஞ்சில் வஞ்சமில்லா இனம் தரும் எல்லாம் தரும் அன்பர் என்பவர்க்கே நல்லன எல்லாம் தரும் அன்பர் என்பவர்க்கே கணம் தரும் பூங்குழலால் அபிராமி கடை கண்களே கணம் தரும் பூங்குழலாய் அபிராமி கடை கண்களே கணம் தரும் பூங்குழலாய் அபிராமி கடை கண்களே பாக்யம் தரும் லக்ஷ்மியே வாரம்மா பாக்யம் தரும் லக்ஷ்மியே வாரம்மா அம்பம் மணி சௌபாக்யம் தரும் லக்ஷ்மியே வாரம்மா அம்மம் மணி சௌபாக்யம் தரும் லக்ஷ்மியே வாரம்மா அடிமேலடியை வைத்து நடந்து பாதசலங்கை நாதமுதிக்க அடிமேலடியை வைத்து நடந்து பக்தர்கள் செய்திடும் பூஜை வேளையில் மோரில் தடையும் பெண்ணையை போலே பாக்கியம் தரும் லக்ஷ்மியே வாரம்மா பக்தர்கள் செய்திடும் பூஜை வேளையில் மோரில் தடையும் பெண்ணையை போலே பாக்கியம் தரும் லக்ஷ்மியே வாரம்மா கனகநிதிகளை
ஒவ்வொரு வீட்டிலும் கருணையை பொழிய கனகநிதிகளை கூடகடைத்து ஒவ்வொரு வீட்டிலும் கருணையை பொழிய கோடி சூரியனின் ஜோதியை கொண்ட ஜனகராஜனின் குமாரி தாயே பாக்கியம் தரும் லக்ஷ்மியே வாழம் பாக்கியம் தரும் லக்ஷ்மியே வாரம்மா அம்மம் மணி சௌபாகம் தரும் லக்ஷ்மியே வாரம்மா பக்தியில் உன்னை பொழுவார் மனையில் பக்தியில் உன்னை பொழுவார் மனையில் நித்தம் உற்சவம் பக்தியில் உன்னை பொழுவார் மனையில் நித்தமும் உற்சவம் நித்தமும் மங்கள் சத்தியம் காத்திடும் சாது ஜனங்களின் சித்தம் வசித்திடும் புத்தொழி வடிவே பாக்கியம் தரும் லக்ஷ்மியே வாரம்மா சத்தியம் காத்திடும் சாது ஜனங்களின் சித்தம் வசித்திடும் புத்தொழி வடிவே பாக்கியம் தரும் லக்ஷ்மியே வாரம்மா அம்மா சோபாயம் தரும் லக்ஷ்மியே வாரம்மா சக்கரனியும் அரிசியும் சேர்த்து சக்கரனியும் அரிசியும் சேர்த்து சுக்கரவார பூஜைகள் செய்து சக்கரனியும் அரிசியும் சேர்த்து சுக்கரவார பூஜைகள் செய்து அக்கறை கொண்ட அழகிய ரங்கணம் சொக்க புரந்தரன் விடலதி ராணி பாக்கியம் தரும் லக்ஷ்மியே வாரம்மா அக்கறை கொண்ட அழகிய ரங்கணம் சொக்க புரந்தரன் விடலதி ராணி பாக்கியம் தரும் லக்ஷ்மியே வாரம்மா வலி சௌபாகம் தரும் லக்ஷ்மி La déesse Mahalakshmi est représentée au cœur d'une lotus. C'est la déesse de la sagesse, de la prospérité et de la réussite, ainsi que de la richesse. Elle est connue sous différentes formes, à savoir Dhanalakshmi, Vijayalakshmi ou encore Vidyalakshmi, par exemple. Je vous laisse donc le soin de découvrir ce beau reportage préparé par l'équipe de Vanakkam Réunion TV. धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् Célébrée en l'honneur de la déesse Mahalakshmi, Varalakshmi est une fête importante pour les hindous. Cette fête a lieu le deuxième vendredi ou le vendredi juste après la pleine lune du mois de Handi. Cette année, Varalakshmi a eu lieu le vendredi 20 août. Chaque fête en Inde renvoie à une histoire et à un enseignement. Quelle est donc l'origine de la fête de Varalakshmi? Selon le Skanda Purana, Shiva raconte à son épouse Parvati l'histoire d'une femme brahmane du nom de Charumati. C'était une épouse très dévouée. Son cœur était pur et elle montrait une grande sérénité dans son attitude. Charumati était également une érudite. En voyant la sincérité et la dévotion de Charumati, Lakshmi fut très impressionnée et est apparue dans son rêve. La déesse Lakshmi conseilla à Charumati d'observer le Vridam et lui expliqua le procédé du jeûne. Dans son rêve, Charumati récitait des louanges à la déesse Lakshmi. Le lendemain matin, elle raconta son rêve à sa famille et partagea cette expérience avec tous ses proches, tous impatients de connaître les moindres détails.
Chalomati et toutes les femmes de son voisinage ont donc observé le jeûne et exécuté la pujaï selon le procédé décrit par Mahalakshmi. Elles reçurent les bénédictions de la divinité et devinrent riches et prospères spirituellement et sans doute matériellement. Depuis ce jour, ce jeûne est devenu populaire dans toute la ville. Tous les habitants observaient chaque année le jeûne pour la déesse Lakshmi et la ville devint prospère. Chalomati reçut les louanges de toute la cité et depuis, Varalakshmi fait partie des grandes fêtes hindoues célébrées dans toute l'Inde et ailleurs dans le monde. Le jour de Varalakshmi, les femmes mariées principalement observent un jeûne en l'honneur de la déesse pour recevoir ses bénédictions. Varalakshmi est un rituel célébré par les femmes. Le jour de Varalakshmi, les femmes nettoient la maison et la cour et dessinent un kolam à l'entrée de la maison. Plus tard, elles prennent un bain et portent de beaux vêtements et leurs plus beaux bijoux. Puis elles préparent le kumbham et choisissent un pot en argent ou en bronze. Ce pot est nettoyé et enduit d'une pâte de santal. On le remplit d'eau ou de riz cru, d'un citron vert, de pièces de monnaie, de noix de coco et de 5 sortes de feuilles différentes. Le choix des éléments utilisés pour remplir le pot varie d'une région à l'autre. Ensuite, on entoure le kumbham d'un tissu propre et on place des feuilles de manguier sur le kumbham ainsi qu'une noix de coco enduite de safran. Une image de la déesse Lakshmi est placée sur la noix de coco. Le kumbham symbolise la déesse Lakshmi et est adoré avec dévotion. Les femmes prient pour obtenir la grâce de Mahalakshmi, pour que la déesse accorde une longue vie à leur mari et la prospérité au sein de la famille. Puis le kumbham est placé sur du riz et les fidèles commencent la pujaï en vénérant tout d'abord le Seigneur Ganesh. Ensuite, on chante le Lakshmi Sahasranamam, les 108 noms de Lakshmi. Om Saraswatyai Vidmahi Brahmaputriyai Dhimahi Tanno Devi Prachodayat Om Saraswatyai Vidmahi Brahmaputriyai Dhimahi Tanno Devi Prachodayat. Dans le sud de l'Inde, on prépare le pongal qui sera distribué comme prasadam. Pour terminer le rituel, rarati est effectuée sur le kumbham. Pendant la pujaï, les époux attachent un fil rouge ou jaune autour du bras de leurs épouses. Ce fil doit rester au bras des épouses durant un an jusqu'à la prochaine fête de Varalakshmi. Ce jour est également auspicieux pour changer la corde du tarli. Varalakshmi est célébrée également dans les temples. À Chennai, l'un des temples les plus connus est celui de Ashtalakshmi, les 8 formes de la déesse. Adi Lakshmi, la déesse de la protection. Dhana Lakshmi, la déesse de la richesse. Dhari Lakshmi, la déesse du courage. Saubhagya Lakshmi, la déesse de la prospérité. Vijaya Lakshmi, la déesse de la victoire. Dhanya Lakshmi, la déesse de la nourriture. Santana Lakshmi, la déesse de la progéniture. Et Vidya Lakshmi, la déesse de la sagesse. Toutes les 8 formes et les 8 forces combinées sont appelées Ashtalakshmi. Un autre temple connu est le temple d'or de Shripuram à Vellore. Le sanctuaire est recouvert de feuilles d'or. À Tirupati, Varalakshmi est un événement religieux grandiose. Ce jour-là, les dévots prient avec ferveur Padmavati Devi, la déesse assise sur le lotus. Le soir de Varalakshmi,
La déesse est assise sur le char d'or et la procession fait le tour des rues de Tiruchanur. Tous les fidèles sortent de leur maison pour rendre hommage à la déesse. Le char est suivi par des groupes de dévots qui chantent des bhajans et exécutent des danses folkloriques traditionnelles à la louange de Mahalakshmi et de Mahavishnu. À la Réunion, Varalakshmi a été célébrée dans de nombreux temples ce vendredi 20 août et la puja a été exécutée le soir par les femmes mariées guidées par le Gurukul. Souhaitons que Mahalakshmi nous accorde sa bénédiction divine et nous guide dans notre chemin spirituel. De suite, je vous invite à écouter un chant dévotionnel.
Voyons maintenant l'agenda de la semaine. Compte tenu du contexte actuel, veuillez vous rapprocher des associations organisatrices respectives. Mercredi 25 août, Sadurti, Puja pour Ganesh. Jeudi 26 août, Sangata Ara Sadurti, Puja pour Ganesh. Vendredi 27 août, Shasti, Puja pour Muruga. Dimanche 29 août, Kartikei, Puja pour Muruga. Compte tenu du contexte actuel, veuillez vous rapprocher des associations organisatrices respectives. Chers fidèles téléspectateurs, notre émission touche à sa fin. N'oubliez pas la rediffusion de cette émission ce mercredi à 13h, mais aussi sur notre chaîne YouTube Vanakkam Réunion TV. Nous tenons à remercier le président du Temple Carly Chemin Bœuf ainsi que son équipe de leur accueil. Il y a quelques temps de cela, nous avons lancé un appel aux dons via le site Eloasso. Pour tout renseignement, nous vous invitons à nous contacter soit par mail vanakkamreunion.tv@orange.fr ou bien par téléphone au 06 92 69 76 79. Nous comptons donc sur votre générosité. Avec toute l'équipe bénévole de Vanakkam Réunion, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle émission. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Nandri Vanakkam.